J'ai travaillé pratiquement avec toutes les institutions multilatérales. J'étais basé à Johannesburg, mais je couvrais toute l'Afrique. Donc, j'appuyais le gouvernement dans des processus de crise, processus d'élection, des formations, l'accompagnement des populations. Donc, c'était un peu le travail. En fait, mon travail de préfet est un peu la continuation de ce que je faisais avant. Donc, c'est ça. Donc, j'étais grand patron là-bas à l'étranger. C'est encore une fois, je suis tombé. Alors, mais quand vous avez commencé à bosser, on a senti en vous quelqu'un qui a une autre vision. Parce que, voilà, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, hein, mais avant que vous n'arriviez, pour la jeune génération, beaucoup de gens ne savaient pas c'était quoi le rôle du préfet. Alors, vous avez, moi, j'ai une image qui m'a frappé sur Facebook. Vous étiez arrêté, tout mouillé, sous la pluie. Cette image-là vous a fatigué, les gars. Les gens n'ont jamais vu ça. Voilà, un préfet qui va dans les bas quartiers, qui dit aux gens non, déménagez d'ici, déplacez-vous et tout ça. La météo annoncée depuis les jours à venir. Donc, je descends avec le maire. Et puis, pendant que je suis en train de parler aux gens, la pluie tombe comme ça. Donc, je dis, je ne pouvais pas fuir. Mm-hmm. Je suis venu parler à des gens. Et puis, on s'en parle à la pluie. Les gens sont assis dans un bas-fond. Il peut y avoir un glissement de terrain, ils vont mourir. Mm-hmm. Bon, quand la pluie te touche un peu là, ça fait quoi? Mm-hmm. Je n'étais pas totalement mouillé. Mm-hmm. Bon, j'ai vu le pim que ça fait. Ouais, ouais. Mais aussi, c'est une personne qui dit, ah, il y a un agenda derrière. C'est pas clair. Pourtant, le maire de Cocody, mon ami et frère Yassé, est là. C'est lui qui a envoyé quelqu'un qui allait acheter des imperméables, 2000. Ce qu'il a porté après, là. Et moi, j'avais des agents qui étaient dans la délégation et qui sont allés chercher rapidement quelque chose pour moi. Et on était pratiquement une cinquantaine. On était dans le cadre de la mairie. J'étais dans le cadre de la mairie avec le maire, le directeur technique, tout le staff. Donc, voici ce qui s'est passé. Mais c'est, je veux dire, on le fait. Quand vous faites un travail avec un, vous ne sentez pas, vous ne voyez pas. Ce n'est pas des calculs. Parce que tout, même le vieux qui l'a plus mouillé, lui également, il n'avait rien. C'est-à-dire que nous tous, personne n'était préparé à la pluie. Mm-hmm. Et c'est ce message qu'on peut donner. Et comme moi-même, j'ai signé un fils de Gaza. Mm-hmm, bien sûr. Il y a Baradu. Voilà. Il y a Kounou Kounou, mais il y a Grigra. Oui, vous avez des paroles vraiment apaisantes, en fait. Voilà. On sent que vous avez connu ce que nous, on a connu. Donc, c'est plus facile de communiquer. Ah bon, hein. C'est que moi j'ai connu, toi t'as connu. Pardon? C'est que moi j'ai connu. Moi il y a Vautour, tu connais Vautour? Ouais, tu connais même pas. Je connais Vautour, ramasser à terre pour manger. Non, c'est pas à terre, ça c'est trop bon même. Les lycées là, internat où les gens mangeaient là. Uh-huh. C'est qui j'ai sur la table, ça moi il est Vautour. Il était Vautour, je t'assure. Poum. Ça va, vous venez de loin vraiment. Vous venez de loin. Sur la page de l'émission Farafa, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question que je dois vous poser. Oui. Voilà, la personne me dit de vous demander. C'est parce que vous n'avez pas peut-être aimé la politique de ce gouvernement-là que vous avez démissionné. C'est vrai, mais c'est faux. Il faut passer à une autre question. Il y a beaucoup de questions. Il faut passer à une autre question. Il y a des sujets qui avaient été annoncés, là, qui sont bien. Uh-huh. Allons-y, ces sujets. C'est pas assez bon comme ça. On dit que M. Vincent Taubiré, c'est un gros. Et tous les gros, ils aiment beaucoup les femmes. Ah bon? Voilà. Les gens commençaient à parler. Ils disent quoi? Voilà, M. Vincent Tombi, il a reçu Emma Loès dans ses bureaux, il a reçu certains mots, tout ça. Que le gars là, comme tout le monde est fan de sa gamme, hein, il commence à KO les petits filles dans le quartier. Donc, il faut nous expliquer c'est quoi le truc. Donc, quand il reçoit un garçon là, c'est pas grave. Hein. Quand il reçoit un garçon, il vient plein tout. Non, les mais quand tu es là, on sait que tu n'es pas à gauche, on sait que tu es tout droit. Ah, oh, c'est ça. Emma Loès. Évidemment, c'est mes chéris même.